Bonjour et bienvenue sur le Cadre World, oui, pour ce deuxième épisode sur Terraria. Je suis Cadre avec votre rôle en survival hardcore. Avec les deux zombies, oui, c'est un zombie qui s'est rajouté quand je me suis connecté au serveur. Bon, ben, on tourne d'été. On est parti. Bon. On va affronter les zombies, on va arrêter de niaiser, on va s'attaquer aux méchants. On peut pas juste se défendre, juste à attendre, on peut aussi, faut aussi se défendre à un moment donné. On peut avec, bon, avec l'armure qu'on a pis tout, on peut faire au moins quelque chose. Et voilà, une étoile filante. Ça c'est tout à fait normal. Et voilà. Bon. On a l'étoile filante. L'étoile filante, on peut faire de quoi avec, je le sais. Mais je me rappelle plus quoi. Voilà, la nuit elle a l'air quand même assez calme. Faut quand même un peu discuter. C'est deux zombies. Oh oui, Marie. Et voilà. Je crois qu'on va détruire. Je crois que j'ai assez de bois en fait. Ça a l'air quand même assez sec. J'ai pas tant de zombies que ça pour la première nuit. Fait qu'on peut quand même essayer de détruire du bois un peu. Faire ce qu'on fait d'habitude. Ça, on va péter le plancher. Péter le plancher pour commencer à miner, mais on va... je pense qu'on va faire une mine plus à côté. Oups, j'entends des cris de zombies, c'est pas très sérieux. Je pense que je vais commencer à faire une room, parce que oui, il faut faire des rooms, en fait, des chambres en fait. Parce que comme ça, on va pouvoir installer des personnes, parce que oui, il y aura des personnes qui vont venir. Avec ces personnes-là, en fait, on peut les installer et tout. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire des échanges avec eux. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire des échanges avec eux et tout ça, en fait. Là. We can do it! Premier succès! Je pense que la nuit est terminée! Ce serait très le fun. Porte, oui. Je crois que oui. Ah oui, la nuit est terminée! Première nuit terminée! On va pouvoir enfin explorer. Je crois pourquoi, mais... oh, ok. Ça, on installe la porte. Il va falloir installer un lit ici, puis je crois un meuble ou une chaise pour qu'on puisse que la chambre soit créée. Pour un PNJ. Ce qui fait que le PNJ va tout le temps rester dans cette chambre-là. Comme Colin, que lui est parti, je ne sais pas où. On va checker sur la map s'il est encore là. Colin est là, oui, il est ici. C'est bon, au moins, il est encore en vie. Il survit. On va aller explorer un peu la map. Par la gauche. Oh, déjà, un gros arbre. Ces gros arbres-là, en fait. Des fois, si tu creuses en dessous, tu peux trouver une pièce avec des chaises et une table. Déjà, un petit appartement, mettons. Déjà, il y a un pot qui nous a donné de l'argent. C'est bon. Oh, un petit slime. On tue le slime. On continue à piocher le bout. On va descendre pour voir s'il n'y avait pas quelque chose en dessous. Vraiment ce slime qui se promène en haut. Ok, c'est bloc de terre. Ok, c'est bon, c'est fini. Et voilà. Ça, c'est mort.
ça, du bois, ça c'est tout à fait normal. Oh, des pots. Comme je vous disais, l'arbre peut faire ça. L'arbre, en fait, on va voir ce que ça fait. Allez, je vais vous montrer. Ça va donner sur ma petite pièce. Oh oui, plein d'argent. Plein d'argent. On va mettre des torches. Et voilà. Sinon, on voit rien. Vous ne verrez rien. Moi, je vois quand même assez un peu. C'est plus pour vous que je fais cela. Des portes. Et voilà ce que je disais. Un chest. Dans ce chest. Un leaf wind. Consomme du bois. Placez-le. Ok. Ça. Des bombes. Des cordes pour descendre en rappel. Des potions. Potion de chasseur qui fait indique l'emplacement des ennemis durer 5 minutes. De l'argent. Et. Living loom. Spécial crafting. Ok. Pour un crafting spécial. C'est ce que je veux en fait. Oh, bah désolé, vous ne voyez plus rien. On place la torche. On va détruire ça. La table et les chaises, ça va faire du décor. Et en même temps, bon, on va reprendre la torche. Voilà, noir total. C'est le noir total. On va reprendre la torche en foire. Ah, bon. On est reparti avec la torche. On peut redescendre encore un peu. Ça se peut qu'il y ait une deuxième pièce. On va aller voir. Mais plus qu'on descend, plus que c'est dangereux aussi. Ce qui m'inquiète beaucoup. Vu que on a seulement une seule vie. On descend encore. Oh! Oh, 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 oh! Ça, c'est génial. Mais vraiment génial. Un coffre doré. I am a loot, yeah! Un équipement permet à poser de glisser le long des murs. Ça, c'est très bon. Des cordes encore. Des lingots de fer. Des potions. Recall potions. Téléporteur. Oh, on va se téléporter à la maison. Oh oui, des torches. Fait que là, on va pouvoir en placer. Oh. On finit de placer l'inventaire. On va reprendre la torche. On va en placer une. Là qu'on a découvert ça. Ça, c'est très bien. On a découvert une petite place. Là, il va falloir remonter, par exemple. Avec la terre. On monte avec les torches, on monte avec les torches. Sauf que là j'ai assez peur que la nuit arrive. C'est pas si grave, ça va être la vidéo de l'exploration avec les arbres géants. Rempli de loot. Et voilà. Bon, on va retourner vers la maison. Et on va l'explorer vers la droite maintenant. Ah, aïe 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 aïe. Bon, on va éviter les slimes. On a des lingots de fer qui vont pouvoir créer de l'armure. C'est bon. C'est une bonne petite. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que je suis... Désolé pour ça, je me suis mêlé dans les... Ah, dans les commandes, alors... Je tombe dans le fond. Ok... C'est bon. En fait, là, j'ai comme pas assez d'élan pour pouvoir sauter par-dessus l'eau. Fait que je tombe dans le fond. Ah là là. On va faire un petit pont. Et voilà. Tout est réglé. Allez, si on essaie de me prendre un sandwich, on les frappe avec mon épée de bois. C'est une épée pareille.
Ça va détruire la porte pour mettre la porte stylée de wood. La porte de bois, mais comme un petit peu plus moisie. Qui est plus belle en fait. Moi je trouve qu'elle est plus belle. Je sais pas quel est votre avis, mais moi je trouve qu'elle est plus belle. On va mettre ça, les chaises, on va faire de la déco et le coffre. Il faut ranger en fait tout ce qui est. On va nous servir. Et voilà. Et voilà. Une petite. En fait, ça c'est une petite room. On va juste manquer à mettre d'autres choses. Mais là, on pourrait, je pense qu'on peut mettre le coffre là, je crois. Oui, on va rentrer. Pas avec la porte, je pense. Ah non, il ne rentre pas avec la porte. On va mettre le coffre en bas. Ou on va mettre. Ah, on va faire un changement. On va mettre le coffre ici. Mais on va mettre tout ce qui est là en bas. C'est vraiment juste la décoration. Fait qu'on n'a pas besoin en haut. En haut, on a besoin du coffre parce que, mettons qu'il y a beaucoup d'ennemis. On n'a pas besoin de la table. On a besoin du coffre pour prendre des ressources, prendre des potions, prendre des armes. Pour nous servir à tuer des monstres. Fait très beau la petite porte là, tu vas être là pour la chambre qui va avoir là et le coffre où on va ranger ce qui nous sert pas en fait la porte en bois en fait, les lingots, les toiles d'araignée, ceci qui ne sert à rien pour l'instant, c'est un craft spécial que nous connaissons pas, ça, et on va s'équiper. Oh, je peux m'équiper ça. Ah oui, c'est là. C'est pas pour faire fâcher. Je permets maintenant de glisser le long des murs. Je vais vous montrer ce que ça fait. En fait, juste là. Ok. On va détruire le slime. Le petit slime. Le petit slime. Et. Oh, attendez. Attendez. Oh, c'est là, c'est. Ça va mieux sur les grottes là, mais genre, faut que je saute. Je vais essayer de sauter puis m'accrocher. Ok, vous venez de le voir, ça fait ça s'accroche au mur. Et voilà. Ce qui fait que, mettons, si j'ai une grande chute que je m'attendais pas, je vais m'accrocher au mur. Ce qui fait que je ne meurrai pas en sautant comme une merde. Ce qui est très bien. Je sais qu'avec une vie, je sens le fel de la mort vraiment... Que je vais miner en dessous de mes pieds puis je vais tomber en bas comme une merde. Ou je vais m'auto-sauter avec une bombe. Ça se peut aussi. Oh, mais je crois que je viens de voir des nouveaux crafts. Je pense que c'est plus dans ma tête. Non, c'est ça. Rope kill. Ok, pour lui créer une ligne de corde. C'est bon. Et voilà, bon. On a exploré là avant que la nuit tombe. Fermez la porte. Et avant que l'épisode finisse, on va explorer un tout petit peu vers la droite. Et après cela, on va se laisser là-dessus. Oh, Colin! Artisanat, non. Mais Colin, en fait, on va parler à Colin pour finir cet épisode, je crois. Non, on va explorer, comme je l'avais dit, on va explorer un petit peu pour vous voyez un petit peu la map de vue de droite. Qui a l'air d'avoir une bonne petite mine là. Une très bonne mine, même. Et voilà, maintenant je peux faire vraiment des très bons sauts. Ou monter à des parois, ce qui va nous servir beaucoup. Et voilà, bon, on va aller voir, on va prendre l'objet qu'on a trouvé dans le coffre, qu'on vient de trouver en fait dans le coffre, et on va aller demander à Colin ce qu'on peut faire avec cela. On va fouiller. Living Loom. Et bon, ça va être correct, ça on sait qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, ça aussi. Living Loom, c'est avec un craft spécial. Fait que Colin doit savoir ça. Où est-il, Colin? Colin? Colin, où est-il? Ok, on arrive. Colin. Artisanat. Je veux que tu me parles. Il ne peut pas me parler de ça.
Ça, c'est bizarre quand même. Ah, une bombe. Les bombes collantes, je sais pas si tu me parles de ça. Ça, mais pas en parler, ça, je trouve ça assez étrange. Bon, ben, c'est pas si grave. Des lingots de fer. Wow, 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 wow. Les slimes. Bon, ben, c'est pas si grave que ça. On va rentrer à la maison et on va se laisser là-dessus. Oh, le baby slime! C'est Pinky! Est-ce que Pinky fait mal? Ah, oui, Pinky fait mal. Pinky! Oh, wow, wow, wow! C'est quoi, ce Pinky? Ce Pinky qui a tellement de vie! Wouah! Aïe, aïe! Non, dégage! On le pogne dans un coin, Aïe! Aïe, le Pinky! On va le tuer! Pinky, die! Die, Pinky, die! Et voilà, pretty in pink! Yeah, it's pretty! It's pretty, die! Yep! Et voilà, on se laisse là-dessus en ayant tué Pinky, le slime rose! J'espère que vous avez aimé cet épisode, ce deuxième épisode. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ciao! It's the most wonderful time of the year.